Bienvenue à la capsule numéro 8 de Un jardin à la maison. C'est la dernière capsule de présentation de végétaux. Et aujourd'hui, donc, je vous présente trois herbes aromatiques, trois fines herbes. Celles que je considère comme étant quand même assez parmi les plus populaires, celles qu'on utilise assez régulièrement. Donc, ça peut être intéressant de savoir quels sont les bienfaits de ces herbes-là, en plus de rehausser la saveur de nos plats cuisinés. Quels sont les bienfaits qu'elles ont sur notre corps. Alors, je vais tourner la caméra vers le diaporama et je vous refais un petit dernier coucou à la fin, là, avant de terminer. Alors, à tout à l'heure. Voilà, donc, les herbes aromatiques. Quelles sont ces herbes aromatiques si désirées? Je commence avec le basilic. Le basilic qu'on peut voir ici, il y a quelques sortes de basilic. J'ai pris le basilic commun, mais je recommande vraiment le basilic sacré, puisque c'est vraiment celui qui est utilisé par les herboristes là, qui ont de meilleures vertus qu'on peut considérer comme étant médicinales. Alors, je commence la présentation. Grâce à sa grande teneur en antioxydants, le basilic est préconisé et recommandé afin de prévenir certains cancers et certaines maladies cardiovasculaires. Donc, plusieurs fruits, légumes et herbes aromatiques ont cette fonction, ainsi que pour ralentir le vieillissement des cellules. Manger des antioxydants, c'est donc excellent pour la santé. De plus, le basilic, c'est un excellent antispasmodique. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Un antispasmodique? En fait, un spasme, c'est une contraction brutale et intense d'un ou plusieurs muscles, comme par exemple chez les bébés qui auraient des coliques, là, ce sont des spasmes, des serrements d'intestin, ce sont souvent c'est dû souvent aux spasmes. Donc, une infusion de cette herbe est donc fortement recommandée en cas de malaise gastrique de l'estomac. Le gastrique, là, c'est ce qui a rapport à l'estomac. Quand on fait une gastro, c'est notre estomac là, tu sais, qui rejette ce qu'il a consommé. Donc, quand on entend le mot gastrique, souvent ça lien avec, ben, pas souvent, là, tout le temps, c'est, ça lien avec l'estomac, donc les malaises gastriques ou intestinaux. On le conseille également en cas de nausées et vomissements. Donc, ça va avec le fait que c'est bon contre les malaises gastriques. Du fait qu'il contient de la vitamine K, la consommation de basilic frais ou séché joue un rôle dans la fabrication de protéines. Et les protéines, c'est qui participent donc à une bonne coagulation sanguine. Donc, si on veut avoir une bonne coagulation sanguine, il faut fabriquer des protéines et la vitamine K contenue dans le basilic, c'est bon pour ça. De plus, parce qu'il augmenterait l'activité bactérienne de certains médicaments, c'est un aliment considéré comme étant anti-inflammatoire. Une inflammation, c'est une douleur, une rougeur qui gonfle parfois, là, donc un anti-inflammatoire, là, ça prévient les inflammations, parfois dues à des piqûres d'insectes ou à des légères blessures. Depuis la nuit des temps, on l'utilise comme un désinfectant buccal, puisque c'est un antibactérien, donc ça vient désinfecter la bouche. Mais on va voir un peu plus loin une herbe là, qui est encore, encore plus utilisée pour ce qui est ce qui a trait à tout ce qui est buccal, en fait. Donc, je poursuis avec la prochaine plante, qui est le thym. C'est le thym, je vous montre de quoi ça a l'air. Là, c'est une image, comme un dessin. C'est tout petit, ça pousse tout près du sol. Ça ne devient pas très, très haut. C'est une petite
c'est une petite plante, mais qui peut s'étendre. Quand j'étais jeune, ma mère l'utilisait comme couvre-sol dans ses rocailles. Le thymol contenu dans cette herbe aromatique est un agent actif contre la plaque dentaire. Voilà. De ce fait, le thym est un bon allié afin de combattre les caries et certaines maladies de la bouche. C'est le carvacrol que l'on retrouve dans le thym qui lui donne ses effets relaxants. Voilà pourquoi on recommande aux gens souffrant d'anxiété de boire des infusions de cette plante. Une infusion, c'est quand on laisse la plante tremper dans de l'eau chaude, pas bouillante, mais presque. Hein? On recommande les infusions, là, on recommande que l'eau soit à 97 degrés. Donc, laisser bouillir, puis attendre un petit peu que ça cesse, là, que le bouillonnement cesse. On devrait être pas très loin du 97 degrés, puisqu'on sait que l'eau bout à 100 degrés Celsius toujours. Depuis la nuit des temps, l'humain utilise cette plante comme un antiseptique. Un antiseptique, c'est un désinfectant et on fait ça grâce à ses effets antifongiques. Fongique, c'est ce qui a trait aux champignons, donc anti-contre ou qui arrête, donc c'est l'arrêt du développement des champignons. Et ce n'est pas des champignons qu'on consomme, bien sûr, dont on parle ici. Là, c'est des champignons de moisissure, plus. Et antimicrobienne, donc contre les microbes. De plus, on l'utilise également comme anti-inflammatoire, tout comme le basilic, car il diminue la douleur, la rougeur et le gonflement en cas de blessure légère ou de piqûres d'insectes, tout comme le faisait le basilic. Voilà ce qui est pour le thym. Passons maintenant à la dernière plante, et non la moindre, la menthe. La menthe, il y en a plusieurs sortes. Les menthes ont à peu près toutes ces bienfaits-là. Donc, je vous montre l'image de la menthe. Elles se ressemblent toutes là, à quelque chose près. Parfois, là, c'est juste un peu plus, comme la menthe chocolatée, elle est un peu plus foncée. Mais ça ressemble assez, la majorité du temps, ça ressemble à cette image. La menthe, c'est grâce à sa teneur en fer et en vitamine C que la menthe est recommandée pour soulager l'estomac et activer la sécrétion de bile. La bile, hein, c'est sécrété par la vésicule biliaire et ça a une fonction, là, c'est un allié avec le foie, donc ça joue un rôle dans la digestion. Elle stimule donc une bonne digestion et permet au foie de bien faire son travail qui consiste à bien filtrer les toxines. Les toxines, c'est toxique, c'est ce qu'on ne veut pas avoir dans notre corps. Donc, ça aide le foie à bien filtrer ces toxines-là qui s'insèrent dans notre corps. Là, c'est ça. dû au fait qu'elle diminue le reflux gastrique, hein, le fait que ça remonte, hein, le jus gastrique. Donc, de ce fait, et en plus qu'elle possède une fraîcheur incomparable, la menthe est préconisée, est recommandée, elle est très aimée afin d'avoir une bonne haleine. Oui, tout à fait, hein? Tous les rince-bouche qu'on appelle, là, donc souvent, ce sont à la menthe, les gommes à la menthe, hein, pour avoir une bonne haleine. C'est justement sa grande fraîcheur qui en fait un excellent décongestionnant lorsqu'un rhume nous empêche de respirer allègrement, bien respirer. Hein? Donc, quand on a un rhume, on est congestionné, donc de se faire là, une petite compresse à la menthe ou de se mettre un peu d'huile essentielle de menthe sous le nez, ça peut nous aider à mieux respirer ou de boire un thé à la menthe aussi. Parce qu'elle calme les nerfs, cette plante est un allié de choix contre la douleur. Elle peut donc être utilisée en cas de mal de tête,
de douleurs musculaires, de piqûres d'insectes et autres douleurs de légères à modérées. Comme une grande majorité de végétaux, cette herbe aromatique est riche en antioxydants, ce qui lui donne toutes les vertus qui viennent avec le fait de ralentir l'oxydation des cellules que nous avons vu précédemment à maintes reprises pour plusieurs autres plantes et légumes, bien sûr. Alors voilà, c'était les présentations des herbes. Bien sûr, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez pour cultiver dans votre jardin. Mais j'avais envie de vous présenter et de vous faire prendre conscience aussi que c'est pas seulement bon au goût de manger des fruits, des légumes et des herbes, mais qu'en plus, ça a sa raison d'être puisque c'est très bienfaiteur pour notre corps. Alors, je retourne la caméra pour vous faire un petit au revoir. Et bien, on va se revoir bientôt aussi là, pour d'autres semis, d'autres petits trucs aussi là, concernant le jardinage et faire un plan aussi de notre jardin ou de notre balcon-terrasse. Je vais vous présenter aussi des aménagements qu'on peut avoir, différents aménagements possibles. Je vais faire des petites recherches pour vous sur Internet, faire des petits croquis, des petits plans aussi. J'en ferai peut-être un là, avec vous. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, mais on va bien s'amuser. J'ai aussi des petits tests. Là. On va suivre hein, les petits tests qu'on a fait dans les chroniques précédentes là, avec le céleri, les carottes et l'oignon vert, communément appelé l'échalote. Donc voilà, je vous fais un petit au revoir et à bientôt.